Hello tout le monde, c'est Emily, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo et surtout un haul, parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait un. Et vous savez que c'est mes vidéos préférées à tourner et à vous monter. Donc je suis super contente d'être enfin de retour sur YouTube. Avant de commencer, je voulais vous parler de la plateforme Eleform, puisque cette vidéo est en collaboration avec eux. Eleform, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de cours en ligne où vous pouvez trouver plus de 1000 formations, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vous avez plusieurs types de métiers autour de la créativité, comme la photographie, le web marketing, l'architecture, etc. Je vous laisse voir parce que franchement c'est hyper varié. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est tout ce qui est à côté photographie, puisque comme vous le savez j'adore prendre des photos pour Instagram, j'adore prendre des photos, j'adore créer du contenu et surtout j'adore retoucher pour améliorer la photo. Je vais vous montrer directement la formation que j'ai suivie. Donc c'est la Lightroom CC. Je sais qu'il y en a plein qui savent pas comment utiliser, donc ça peut vraiment être utile pour plein de gens. Elle était super utile pour moi. En plus je la trouve vraiment très claire, tout est très bien expliqué. Avant de commencer la formation, vous avez tous les points regroupés en fait à chaque minute pour savoir de quoi exactement elle va parler. Comme ça vous pouvez savoir directement précisément ce qui va vous intéresser dans la formation et en quoi elle va vous être utile. Moi je vais vous montrer une photo avant après retouchée avec Lightroom. Voici la photo avant et voici la photo après. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai modifié tout ce qui est lumière, j'ai rajouté vraiment de la chaleur. Et si vous voulez savoir comment faire ce genre de choses, bah, je vous invite directement à aller voir la formation. Vous pouvez directement prendre un abonnement ou alors vous pouvez directement acheter la formation spécifique qui vous intéresse. Je vous mettrai un code promo sur l'écran, il me semble que c'est EMI50 qui vous donnera moins 50% pour vous inscrire, donc ce sera tout en barre d'infos dans tous les cas. N'hésitez pas à checker tout ça et merci encore Eleform. Donc maintenant on peut enfin passer au haul. Alors faut savoir que j'ai pas fait de haul depuis genre plus d'un an, du coup j'ai cumulé pas mal de choses et évidemment j'ai sélectionné les choses les plus importantes ou mes articles préférés du moment. Alors on va commencer avec mon article le plus récent et qui que j'adore du coup, vu que je l'ai acheté récemment et je suis trop contente. Du coup il s'agit d'un trench puisque c'est la saison, enfin la saison arrive, la saison des trench, la saison des fleurs qui poussent, du soleil qui arrive et en même temps il fait pas encore assez chaud pour se dévêtir, donc un trench c'est vraiment l'indispensable de chaque mi-saison et je suis trop trop fan de ma trouvaille, donc c'était pas du tout prévu. Mais je me suis pris ce petit trench beige, donc je saurais pas trop comment vous le montrer parce qu'il est très très grand. C'est vraiment une coupe oversize, donc eux-mêmes ils le disent. Donc moi j'ai pris du XS, c'est la plus petite taille. Et il est quand même assez oversize, mais c'est totalement mon style. Donc j'aime vraiment vraiment beaucoup, je trouve qu'il tombe très très bien. Il fait vraiment très 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 quali. Vous avez la petite ceinture évidemment pour resserrer. C'est vraiment un trench simple et efficace. Il est magnifique, j'ai rien à dire, il tombe très très bien. Franchement c'est une petite pépite. De base il était à 90€, il est soldé actuellement à 70 et j'ai eu encore une réduction dessus, donc franchement je l'ai vraiment pas eu pour cher et c'était vraiment un coup de cœur. C'était pas du tout prévu mais j'ai totalement craqué. Toujours côté veste mais du coup chez Zara, c'est un blazer en simili cuir, donc là pour le coup c'est très coté. Donc voilà, vous le connaissez, je pense que vous l'avez vu un peu partout sur Instagram, c'est vraiment 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 ultra tendance. Donc moi je l'avais pris chez Zara en novembre, c'était pour le Black Friday, donc il était à 25 ou 30€, quelque chose comme ça. Donc ça valait vraiment vraiment le coup, il est très bien taillé, vous avez les épaulettes. Je sais pas si vous pouvez voir avec le cintre, mais c'est vraiment avec des épaulettes. Donc il est très 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 joli, il me fait beaucoup penser au style de Hailey Bieber. Vous savez, la tenue qui est beaucoup beaucoup reprise avec des bottes hautes. Elle est assez épaisse, assez chaude, enfin... C'est pas une veste d'hiver clairement, mais c'est quand même une bonne veste de mi-saison. Donc voilà, elle est vraiment super jolie. Par contre, j'ai vraiment rien à dire sur les détails. Tout est très très bien fait. Ensuite, on va faire une petite pause chaussures puisque j'ai trois paires à vous présenter. La première, ce sont mes Chloé. J'ai l'impression de vous en parler tout le temps alors que pas du tout. Mais je vais pas du tout m'attarder dessus. C'est juste que je vous les montre dans un haul parce que vous peut-être découvrez ma chaîne. Et donc voilà, je voulais juste vous informer que vous avez une vidéo complète sur mes Chloé avec l'unboxing, etc. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, mais je voulais juste vous les représenter parce que c'est toujours mes bébés d'amour et qu'elles ne me quittent pas. Chez Pull&Bear du coup j'ai acheté deux paires de chaussures. Donc la première c'est celle-ci, donc c'était vraiment des bottes d'hiver quoi. Donc comme vous pouvez le voir elles sont en simili cuir mais version chaussette, donc elles moulent plutôt bien à la cheville. Et là vous avez un énorme talon, donc les gros talons comme ça, ça revient vraiment vraiment beaucoup à la mode. Là encore c'est assez raisonnable, mais on peut voir que le talon est légèrement incliné avec quand même assez de matière. Voilà, je trouve ça super super joli. Donc celle-ci elle était super belle, je crois que je les ai payées 40€, quelque chose comme ça. Je sens même qu'elles sont soldées actuellement sur le site,
Donc j'avais un peu le seum, je crois qu'elles sont à 25 ou quelque chose comme ça. Je verrai, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon si c'est le cas. Toujours chez Pull&Bear, j'ai pris une autre paire de chaussures que j'ai acheté tout récemment et que j'adore. Alors ça c'est une grosse tendance que vous voyez aussi énormément passer sur Instagram. Je pense notamment si vous suivez les comptes style Mathilda Djerf, Joséphine Agi, etc. Vous les avez forcément vus, c'est la tendance des mocassins. J'avais envie de tester cette tendance sans pour autant mettre le prix dans des Prada ou quoi, parce que c'est pas du tout mon style de base, c'est vraiment une tendance qui va être éphémère je pense. J'ai pris celle-ci du coup chez Pull&Bear. Voilà, donc avec la grosse chaînette dorée. Vraiment elles sont super jolies, je les ai prises en taille 36. Et je les avais vues quand elles étaient pas soldées, donc elles étaient à 40 €. Après elles avaient été soldées à 25 et j'avais toujours hésité. Et au final j'ai bien fait de pas les prendre puisque en fin de solde elles sont passées à 10 €. Donc je les ai payées 10 € sur le site, franchement ça valait trop le coup. S'essayer à la tendance mocassin sans pour autant se ruiner, ben voilà c'est parfait. On va passer à un article que j'ai acheté il y a super longtemps mais que je vous avais jamais présenté en vidéo du coup. Puisque je l'ai acheté cet été il me semble, c'est mon fameux haut Jacquemus. Donc c'est un t-shirt tout simple avec écrit le coup de soleil le 24 juin 2019 été 2020. Donc voilà je tiens le truc parce qu'en fait il faut savoir qu'il s'est décousu le jour où je l'ai essayé pour la première fois. Ça s'est directement décousu parce que c'est seulement tenu avec un seul petit point. Donc voilà il faut que je rattache ça. Mais voilà je l'avais pris sur le site de Jacquemus à 110 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est assez cher pour un t-shirt, mais c'est un bon t-shirt basique en coton qui est simple et qui est efficace. Sur le côté, c'est écrit Jacquemus, pareil, toujours en brodé. C'est vraiment un basique intemporel qui vous tiendra super longtemps. Donc voilà, c'est mon petit premier achat Jacquemus que je suis plutôt contente d'avoir. Et voilà, je sais que pour cet été, ça va être trop cool. De la marque House of CB, je me suis repris un article. J'adore cette marque, ils font des choses assez sophistiquées quand même. Parfois, il y a des choses un petit peu plus simples. C'est aussi très très onéreux. Et là, en l'occurrence, j'avais pris ce petit haut qui était soldé. C'est vrai que montrer comme ça, ça rend pas grand chose. Il est hyper hyper court, hein, on va pas se mentir. Déjà sur la mannequin, sa poitrine elle débordait dans tous les sens. Moi, aucun risque, hein, il y a encore de la marge. Et vraiment le détail corset comme ça à l'avant. À l'arrière, vous avez une petite fermeture avec écrit House of CB. On dirait vraiment une matière de soie, satin. Ça fait pas du tout cheap, ça brille pas. Enfin, on dirait vraiment du vrai, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Parfois, ils utilisent ce genre de matière, hein, ça dépend des robes, ça dépend des articles. Pour cet article, c'est pas le cas, mais en tout cas, il ressemble énormément. Vous avez payé 38 €, il y a beaucoup de détails, c'est très lourd. C'est vraiment très bien fait, je saurais vraiment pas vous expliquer. Si vous connaissez la marque House of CB, vous comprendrez directement de quoi je parle. Mais franchement, moi je trouve pas ça du tout cher pour du House of CB parce que vraiment tout est hyper bien, même à l'intérieur tout est hyper bien doublé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, je trouve que 38 € c'était un super méga bon plan. Je crois qu'il coûtait 90 de base. Et Zara, du coup, je me suis pris un espèce de mom. Alors là, il est un peu froissé. Mais c'est un mom en simili cuir beige, donc voilà, c'est pas du tout un slim, mais vous savez qu'il y a la tendance des pantalons en cuir, simili cuir, etc. Et celui-ci, il a une couleur un peu crème qui est vraiment trop jolie. Je l'ai pris en taille 34. Ensuite, j'ai pris ce petit ensemble avec une jupe crayon longue comme ça, avec un grand élastique à la taille, vous voyez, qui marque bien la taille. Et le haut, il se présente comme ceci. Donc c'est un petit t-shirt comme ça ouvert, donc vous pouvez le mettre ensemble ou séparé évidemment. Et franchement il est super sympa, enfin je trouve que les deux ensemble ça va très bien. Vous l'avez en d'autres coloris, vous l'avez en bleu et vous l'avez en blanc. En blanc j'avais super peur qu'il soit transparent, donc du coup j'ai pas du tout tenté. En plus c'est un ensemble qui coûte pas cher du tout, les deux ça fait moins de 20 €, donc du coup c'est plutôt pas mal pour l'été. Je l'ai tenté en noir, franchement je le trouve vraiment super bien. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me dire quel est votre article préféré dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, 4.